je pense qu'un des plus gros fléaux de notre société aujourd'hui, c'est l'obsolescence programmée. Vous savez ce que c'est ? Non. Vous avez jamais entendu parler de ça ? Ah non, pas du tout. Non, mais c'est le fléau réellement de notre société, hein, monsieur. Tout se détruit, tout est programmé pour être détruit. Et ça alimente cette société de consommation. Et vous savez ce qu'on fait ensuite de tout ce qui est détruit et inutilisable ? On va les mettre dans au tiers-monde, chez les pauvres, on va les mettre en Inde, on va les mettre en Afrique. Mais oui, je vous assure, monsieur, tout est programmé. Nos mères, quand elles achetaient des bas, eh ben, ça leur durait toute leur vie. Eh ben, nous, au bout de 2 jours, on est obligé de les jeter. Vous savez, vous connaissez ce problème. C'est scandaleux. Mais oui, c'est scandaleux. Mais même plus, tous les ordinateurs, les ampoules, tout ça, c'est programmé pour être détruit. Tout ça pour... On n'est pas des vaches à lait, non ? On est des vaches à lait ? Bah non, eh ben on n'est pas des vaches à lait. Mais regardez, mais tout, c'est pareil. Le vernis à ongles pour les femmes, les mouchoirs, là, avant, on les faisait en tissu, maintenant, tout est fait pour être jeté. Oh. On jette tout comme ça, on jette tout. Et regardez, les shampoings, vous êtes chauve depuis longtemps ? Non, pas tant que ça. Ben voilà, mais ça, c'est à cause de la société de consommation, monsieur. C'est à cause des shampoings. Mais c'est les shampoings, oui. C'est les shampoings, ça. Voilà, non, moi, je trouve que c'est vraiment un de nos problèmes. Il faut arrêter de tout vouloir jeter. On achète des pulls qui nous coûtent une fortune. Ouais. Au bout de 2 jours, ça peluche. Ouais, mais oui, non, mais c'est scandaleux. Non. Vraiment. Mais écrivez tout, là. Oui. Mais ne vous inquiétez pas. Vous croyez vraiment que c'est à cause des shampoings que... Ah ben oui, mais ça c'est sûr, mais regardez-vous, au moins vous faites de la récupération, ça se voit, et ben voilà, c'est comme ça qu'il faut vivre maintenant. Très bien, je note tout. Et allez porter votre message dans les plus hautes sphères. Je vais vous dire, j'en ai marre qu'à la télévision, on nous bassine toujours sur des choses anecdotiques. Hier, c'est le 11 novembre, donc François Hollande a défilé. Et forcément, il s'est fait huer. Voilà, comme si c'était le premier président à se faire huer le 11 novembre. Donc les médias, ce matin, nous font tout un pataquès sur le fait que le président s'est fait huer, tout ça, machin. Mais c'est pas le premier. De Gaulle s'est fait huer, Chirac s'est fait huer, tous les présidents se sont fait huer. Alors que les journalistes se renseignent un petit peu. Donc je zappe, et toutes les chaînes nous parlent de la même chose. Les médias, qu'est-ce qu'ils veulent en faisant ça, nous faire peur? Enfin, je comprends pas bien. Je comprends pas. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je m'en fous? Je m'en fous, vraiment, je m'en fous. Voilà. Moi, j'en ai marre de la gravité. J'en ai marre de ces gens qui regardent pas le monde. Voilà. Ces gens qui ferment les yeux, qui n'écoutent rien, qui veulent rien entendre. J'en ai marre de tous ces petits cons. Je n'en peux plus supporter ça. Ils sont insupportables. C'est impossible. C'est impossible de continuer comme ça. Cette vie est impossible. Cause every day we pay the price.